yo vin attaquer nous. Vin attaquer Timoun Belle. Kona giet maman yo. Mba koni tag, mba koni tog, mba koni. Tout aïsé conséquent. Il est lit en bon calé chez nous. Opération nan belè. Peuple haïtien, bagay la li menman li vraiment compliqué. Nou gen bandi yo la ki lage vidéo, nou gen information ki ap sikile la pa bon côté, un bien policier, un bien utagyo ki sa bagay la li menm liye pran ti chèz ba nou chita nou pral tande information. Visite Gary Koni nan Noa, un bien nou pral tande porte-parole, un bien premier ministre nan, c'est lui même qui pral ba nou exactement ki travay, ki sa Gary Koni li menman li tal fè nan Noa. On grand moun nan, fin blanchi, li arrive kembe yon ti moun nan, 7 à 8 ans. Nou pral tande ki sa li même li fè avèl pèp ayisyen rete la. Sa triswi, parce que nou pral tande grand moun nan kap pale, c'est vraiment important. Gouvernement ki la, bien yo ta mande Canada, bien États-Unis pou ta voye document, bien ke yo même yo sanctionné yon série de citoyens nan pays d'Haïti, yon série de politiciens. Nou konnen ke pays sa yo même yo sanctionné, bien la justice dans pays d'Haïti ta mande document sa yo. Rete la, nou pral tande information sa yo nan bon ti mamitan. Bonjour, bonsoir tout moun, comment nou ye? Nou kon salye déjà c'est bon suivant ki retourne la kay nou pou yon nouvel émission. Déjà mwen gen tan remercie ou même ki toujours prend temps, ki gade, ki like et ki partager émission mieux. C'est première fois gade vidéo sur channel là. N'a pas parlé sont pas abonné. Abonné c'est cette façon ou ka supporter travail ça. Même suivre tane. Déjà mwen gen tan remercie ou même ki toujours prend temps, ki gade, ki like et ki partager émission mieux. Peuple haïtien bagala vraiment compliqué dans la République, ki sa information li même lié dans moment. Avant nous entrer dans tout détail, bon fait nous garder petit bout de vidéo ça. Yon grand moun babli fin blanche, même kol li pa ka kembe. Arrivé kembe yon ti moun 7 ans, 8 ans a pofri le kòb, ki sa li même li fè avèl. Nou pral tande grand moun nan k'ap pale, c'est vraiment important. Bah ça vraiment compliqué. Entendez ensemble avec moi. M pa fè le coucher. Dam di la? M pa fè le coucher ni m pa poudou mete men en roule. M pa le bòl la pou bon Dieu idem. Vous comprenez? M pa gen menti m pral ba, kòm rile m ka ba menti encore. OK. Bon, m pa mete le coucher. Si m di ou on va faire comme ça et péché. À nous fauter. Oui, et qu'on va me parler moi-même. Est-ce que t'entends des bébés ici? Est-ce que t'entends des bah là compliqué. Pas menti me parler. Oui. Même à la cala. Malaika premier dit comme ça et vous demander l'argent. Oui. Oui. Comment on fait pour les bonnes mines? On va dire ça. 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 Ou rive dans situation ça qui réaction al nan espace commentaire pour dim ou ta gen yon petite fille comme ça 7 8 ans et puis yon grand moun comme ça kembil Jacques nous attendé là li fote la fote la fote ça la fote ya mba konnen qui réaction qui sont ta fait en tout cas quitte opinion pa nan espace commentaire peuple haïtien c'est vraiment
important. Et bien, dans la minute qu'on a parlé là, la police nationale d'Haïti confirme que 3 agents du SWAT ont été légèrement blessés dans le cadre de l'opération menée depuis ce mardi matin par les quartiers de Bel Air et de Solino dans une publication sur X. L'institution précise que l'état de santé de ces officiers est stable et qu'ils reçoivent des soins que nécessaires. Et que nécessité le cas, ok? Peuple haïtien, nous connaissons bandi nan Bel Air là, et bien qui vraiment paniqué par rapport ensemble avec opération la police tout même y a mené depuis mardi, et bien gens ça que lui-même et yo publié sur compte Ekio. So nan moment qui n'a parlé là bandi yo même qui lagué vidéo qui t'a voulu faire comprendre que c'est pas des 3 munitions que yo même yo pas prend pour la police. Faut me dire nous information qui vient jeune nous nan, et bien opération ça plusieurs bandi arrivé et bien fait vol pour pays sans chapeau dans moment que nous même et n'a parlé là bandi yo prend coup dans Bel Air selon information qui vient jeune nous selon image que nous même nous gagne nous connaît que nous pas ca et bien publié ensemble avant et sur YouTube que YouTube lui même li pas permettre ça et bien gagne en pile bandi qui et bien qui prend coup là et gagne 3 policiers soit yo même qui légèrement blessé et santé yo stable selon information qui vient jeune nous et bien qui ça bagarre là lui même lié en regardez comment bandi yo même yo lagué vidéo juste pour provoquer un bien PNH là en regardant ça même d'abord choix qui te permettre ben ti policier fatra yo yo vinn attaquer nous vinn attaquer ti moun belle konan guet maman yo m'a koni tag m'a koni tag vive ensemble ni meni regardez ti ba yo pote ba nous regardez prise charger dans figure malé avec ba figure dit regardez m'va décider valise ça pour nous si bay marchandise si manchis si jokin mo meni menan munda nou teria telis meni nou ba grene nou menm nou ba fè rime mes amis debou ba vivre ensemble debou ba vivre ensemble konan guet maman nou. En tout cas peuple haïtien, c'est comme ça bandi yo même là yo lagué vidéo pour yo montrer bagay que yo même yo prend pour PNH là malgré pas bon côté yo gen pile et bien image cap ce qui les fait comprendre et bien bandi yo même yo prend coup. Mais si n'a regardé vidéo ça, si n'a regardé gens y a chanté là, c'est pour yo montrer comme si pas de gain rien nèg ça yo m'pa comprendre moi même yo gon confiance là kayo yo gon gens et bien yo vend tête sur réseau ou même si moral ou pas ou en tout cas PNH là lui même li prend ça qui relé li connaît c'est lui même qui autorité a et bien on série de nèg qui illégal et pas ka provoquer comme ça pas ka faire yo paix comme ça peuple haïtien nous connaît et bien Gary Conille lui même qui t'a visité canal lui même qui t'est dans nord semaine passée là et bien en attendant porte-parole premier ministre lui même qui t'a bail plus détails sur dossier ça qui ça Gary Conille lui même li t'a fait dans nord et bien c'est vraiment important. D'abord, choix qui te permettent que le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, notamment la ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Mme Dominique Dupuis, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministre de l'Agriculture et tant d'autres membres du gouvernement, y compris le corps diplomatique accrédité en Haïti. C'était pour d'abord aller prospecter, évaluer le potentiel touristique, économique et infrastructurel de la région nord. Donc, permettre que Moon et Haïti, de manière générale, comprennent que Haïti, ce n'est pas seulement Port-au-Prince, avec ses douceurs et ses douleurs, ses avantages et ses inconvénients. Nous voulons parler de questions insécuritaires. C'est plutôt lorsque une crise là aussi immense sur Port-au-Prince, les autres régions du pays subissent de plein fouet dimension crise là. Et c'est à évaluer également capacité région, yo, non seulement pour résister, mais aussi pour faire face à ces genres de crise, mais pour capable de saisir opportunité autour. J'ai toujours dit ça dans toute crise, toujours gagner opportunité. Donc, Premier ministre, là, dans 4 missions officielles, ça avec représentants
les corps diplomatiques là, des membres du gouvernement également, visiter centrale électrique au Semalsi, trouver des boulevards capaïtiens pour que l'évaluer et qualité et capacité moteur, vous pensez à renforcement, mais aussi surtout à restructuration, pour éviter de visiter et rencontrer les membres de l'administration publique, notamment de l'OFNAC, de AAN, de discuter sur restructuration, réhabilitation de certaines infrastructures de l'aéroport international de Cap-Haïtien. Premier ministre a visité également les parcs industriels Codévi et Caracol, qui sont vraiment des générateurs d'emplois, donc pour le pays de manière générale, mais pour les jeunes, pour les Haïtiens et Haïtiennes de manière particulière. Premier ministre a rencontré les autorités locales, notamment de la Chambre de commerce et d'industrie du Nord, de l'organisation de gestion de la destination nord d'Haïti. Les discuter également avec les autorités en matière sécuritaire de la région, parce que je vous dis à plus que jamais, avec la crise sécuritaire là, nous connaissons que les opérations, les actions du gouvernement, notamment les opérations des forces de l'ordre, voient mettre les groupes criminels en panique. Et ça pourrait le faire que quand Pinao Kaplé par ailleurs que partout à travers le pays, eh bien, il était nécessaire que Dr. Gary Conigne rencontre le directeur départemental nord de la police nationale pour discuter des moyens, des stratégies pour que Bandio pas étendre d'autres régions pays, notamment le nord, qui se joue à une force économique, touristique et structurelle de pays. Maintenant, et pour qui ça, et deux ministres qui t'ont directement concerné par les chantiers, et t'as vos publics, notamment ministre économie avec finance, là, ministre commerce et industrie, ministre tourisme, pour qui ça, pas dans la délégation? Le gouvernement, c'est un tout et indivisible. Donc, le premier ministre, quelque part, le gouvernement y est. Pour qu'on ait, nous avons répondu de manière directe, il n'y a pas que ça à gérer dans la République. Nous avons dit pourquoi pas le ministre de la Justice. Pourquoi pas, même si vous parlez de ministre économie et finance, vous parlez de son chapeau de ministre de la coopération, de la planification et de la coopération externe, vous parlez de tous les autres ministres du gouvernement, vous parlez de tous les autres directeurs généraux, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre tout le gouvernement et le déplacer, et c'est le faux sur un seul lieu, et ce n'est même pas stratégique. Ça, la réponse est directe. Oui, mais en même temps, il y a des ministres qui étaient dans la délégation, qui n'étaient pas nécessairement concernés par, et si vous comprenez l'agenda que vous avez déployé là. Si vous répondez comme ça, tous les ministres sont concernés. Tous les ministres, tout le gouvernement donc, est concerné par ce qui se fait donc, de Kita à Nago, dans le Nouvelle, de côté où vous évoluez là, et à côté de là, tout ministres concernés. Mais ça arrive que qu'on déplacement pour des raisons stratégiques, logistiques, et en termes de responsabilité, qu'il y a des ministres qui dégagent des suivis, qui sont pour faire, etc. Pas obligé de déplacer tout le gouvernement sur un lieu, surtout quand ce n'est pas nécessaire, et surtout dans la conjoncture actuelle, ça c'est compréhensible et pour tout le monde. Maintenant, le Premier ministre hier, comme chef de gouvernement, comme chef d'orchestre, il est revenu, il fait son rapport à tous les ministres. D'ailleurs, hier dans l'après-midi, le Premier ministre, Dr. Gary Conigne, déjà commencé à faire suivi de rencontres que l'IT fait avec les autorités du Nord, avec plusieurs de ces ministres qui concernent, ou même dans beaucoup de pays, et sous différentes responsabilités que chaque gagne. Donc, tout dépend de portefeuille ministériel. Donc, dans le cas de mission, ça. Il y en a pas un de souligner, à ou même également, Daniel Sénat, c'est que c'était opportunité pour le Premier ministre, dans tout, dans le cas de mission officielle, ça, pour lui présenter officiellement la feuille de route du gouvernement au grand corps diplomatique accrédité en Haïti. Pas bien que feuille de route-là est constituée en droite ligne avec l'accord du 3 avril qui se cadre programmatique, s'il le faut, politique de transition, ça qui constitue aussi de 5 grands chantiers. Le relèvement économique, la résolution de la crise humanitaire, la résolution de la crise sécuritaire, l'organisation de la réforme constitutionnelle et des élections générales et de la conférence nationale. Pour l'été, dit à potentiel accompagnateur Silayo, voici ce que transition a gagné comme constitutif
et mais qui côté gouvernement t'a souhaité accompagnement yo. Parce que d'ordinaire, l'international, lui-même, les divinités, il fait ça qu'il en prend dépenser, qui est capable, bon, selon l'intérêt pas libre ou autre. Mais aujourd'hui, nous avons un gouvernement, notamment un premier ministre, le Dr. Guy Ekoni, qui est capable de regarder les amis, les représentants des pays amis d'Haïti, pour leur dire voici ce dont Haïti a besoin et voici ce en quoi il faut orienter ou vers quoi il faut orienter le partenariat. Donc c'est une mission vraiment, vraiment qui était très bénéfique pour Haïti de manière générale, mais certainement en matière politique, tout capable de dire, qui pourra gagner déjà de sérieuses retombées pour le gouvernement et pour la région Nord, tant qu'on dit qui hier déjà, le premier ministre, Dr. Guy Ekoni, déjà commencé, fait des rencontres de suivi avec des ministres sectoriels pour capable répondre aux attentes des habitants de la région Nord qui subit de plein fouet la crise globale que le pays a vécu aujourd'hui à dernier Sénat. Dossier un bien sanction qu'a prend contre en série des politiciens dans le pays, mes peuples haïtiens. L'autre jour nous t'entendé Guy Ekoni qui t'a parlé côté lui-même, il t'a dit librement des pays ça yo et bien qui a bay sanction comme ça document que yo même yo sanctionné et bien citoyen ça yo et gain information là entendé qui ça baga la lui-même lié citoyen ça qui t'a parlé c'est vraiment important et entendé on va voir sur gros écran pour nous capable d'entendre parce que là information yo a circulé qui ça qui a fait est-ce que après un bien pays ça yo même yo fin un bien voyer document la justice dans pays yo même gagne un bagage que yo même yo pral faire entendez qui ça bagage là lui-même lié nous mandé pour yo communiquer nous liste là de manière officielle parce que le nous revenant ministère là archive là pas permettre nous exactement qui ça qui était fait dans sens ça ni réception ça veut dire que en communication officielle que pays ça a fait avec Haïti qui t'a parvenu à ministère de la justice ni en correspondance qui t'a sorti bon côté par nous qu'on t'a demandé donc c'est raison ça qui fait nous faire et donc n'attend réponse en pays ça donc on dit soit ça ben t'as une annonce qui est au niveau du gouvernement récupérant des informations donc officiellement pas une trace si demain ça des fêtes ou pas et si j'ai bien compris oui c'est ça parce que le moment demandé donc yo pas arrivé bon moi yo si yo t'es fait bon pas arrivé joindre yo donc c'est ça que fait que nous mêmes nous faisons ok ben oui, maintenant, là, nous faisons une liste. Est-ce que c'est nous seulement nous demander Nous demander infraction, nous demander charge, indice que vous relevez contre Mounsayo, à la base desquels vous prenez sanction. Ça permet nous aller un peu plus rapide sur ça qui doit être fait par Boïse. Ok. Maintenant, et qui ça qui doit être fait et qui ça qui doit être fait par Boïse, ça qui doit être fait. Nous faisons une liste. Nous faisons pas le joint, non. C'est ça, on va le joindre. Si toutefois, on joindre, gagner des faits qui, à la base de sanctions, ça y est, bien là, ça, l'action publique a mis en mouvement contre tout le monde qui visait. Ok. Vas-y, personne, vous avez une question pour eux, mais moi, je suis en 2022, il y a quatre ex-sénateurs, dont deux anciens présidents du Sénat, qui ont fait l'objet de sanctions du département du Trésor pour des faits et de trafic de drogue illicite. Et en 2022 également, c'était le cas pour M. Martelly, c'était des sanctions canadiennes, Canada, qui étaient de ses blanchiments et appuis avec des gangs. Est-ce que au niveau des services haïtiens, et on a parlé de bureau affaires criminelles, on a parlé de BSDS, on a parlé de parquet, parquet, pas jamais aucun dossier concernant les personnalités haïtiennes qui sont sanctionnées, et notamment pour blanchiment, rapport avec gang et trafic international de drogue. Non, moi pas joindre pas de communication de ça. Pas joindre information de ça. Ouais, pas joindre information de ça. Si gagne, pas joindre information, il pas communiquer avec au niveau du ministère de la justice.
Magique 9. Ok. Maintenant, général, je vous dis, justice haïtienne, son justice est caractérisée par l'impunité. Et est-ce que l'administration Paola, en faisant cette démarche de demande d'information, voulait inscrire un cadre de rupture par rapport à l'impunité qui traditionnellement observé et dénoncé par rapport à des gros babines dans le pays? Bon, effectivement, parce que quel que soit mon nom, s'il y a des faits que la société a reproché, il faut qu'elle réponde de yo. Donc nous-mêmes, nous pensons que tout le monde, à quel que soit niveau côté, ou t'es servi l'État, ni ou pas de servi l'État, ou dans le secteur des affaires, donc s'il y a des bagages qui reprochent, eh bien, fort ou bon côté pour aller répondre de lui. Donc nous pensons que c'est une démarche qui est très importante et le temps que nous-mêmes, nous, notre ministère là, ça y est, on a pris toute disposition pour que le gain on fait que reprocher avec le monde, on n'est capable de paraître, on n'en doit paraître par devant la justice pour le répondre de pour la première fois, la justice dans le pays, et justice dans le pays, nous t'a ouais, comme si il existait, peuple haïtien, il t'a fait preuve, vrai, parce que. Si toutefois yo ta bayo liste moun sa yo, yo ta voye argument et yo ta wè moun sa yo ke yo même yo coupable, yo ta décidé fè yon bagay. Nou ta bat bravo pou yo. Oui. Ay nou konnen nan peyi sa, si tout aneg ke yo même yo sanctionné yo son seri de gros chabrak. Citoyen sa nou ta tande ki ta pale la, et bien c'est ministre justice là monsieur Carlos Ekil, li même la ki dizou et bien depuis ou impliqué non seri de bagay, quel que soit moun nou y a, et bien faut vinn répondre question là. Je sais pas seulement vinn répondre non, mais faut gen bagay ki fait derrière, si ou coupable, si tout bon vrai gen preuve ki fort la justice lui-même lui fait travail lui tout bon si toutefois eh bien nèg yo même là yo t'a montré que yo même yo t'a fait travail c'est pas bluff c'est pas diversion qu'a fait nous t'a content en tout cas après fin garder vidéo ça me connaît gen pile bagaille que yo même ou envie di al quitter l'espace commentaire opération gros opération eh bien la police mené jodi nan belè côté gen plusieurs bandits qui tombé et bandit tout qui la gen vidéo k'a montré eh bien matériel que yo même yo prend pour la police et grand monde k'a menti. Bah, ça vraiment grave, pas ici. Quitte opinion, sans que nous pas de respecter personne, dans respect une pour l'autre, pas oublier partager vidéo ça avec nos amis. Et on famille, invitez le venir abonner ensemble avec Chanel là, c'est la option actualité sur toute sa capacité. Fanatique comme suivre, restez branché pour une autre émission. Même suivre.